Allez, on est reparti, on passe sur l'écran de jeu. Solo, chargé, sauvegarde. C'était bien le dernier tour, hein, ça. 97. Alors, on a atteint l'ère industrielle finalement avec la Pologne. Hein. Huitième tentative, on joue en mode divinité. Le Un bruit âge incessant des antique machines, sans l'odeur âge d'or à la âcre de la fin, mais fumée, avec une religion, on l'horizon se fait voler un obscur dans les Stonehenge, cendres et la on est suie, entouré de trois camps tels sont les barbares, c'est signes de difficile de se l'évolution. développer, on est sur deux Les villes. progrès scientifiques et Un culturels âge sont le classique moteur qui nous pousse vers l'avant. Votre dans défi l'amétrise, consiste désormais à maintenir le fragile on se équilibre débarrasse un peu entre des camps cette barbares, on planète et arrive à l'homme, obtenir un âge entre d'or la pour l'âge paix et la médiéval. guerre. Un peu d'expansion à Loué l'âge soit la médiéval, on fait gloire de de bonnes Dieu de choses. notre monde et de la Pologne, Mais ô on Dieu finit en âge bénit. sombre pour la Très Renaissance, sainte reine, montrerai à un peu votre peuple volontairement la pour obtenir vérité un et la âge héroïque à lumière, l'âge afin industriel. qu'ils les On va voir ce répandent qu'on va dans en le monde. faire. Protégé par de grands Ça devrait guerriers, être une phase de progression importante. Alors on a surtout découvert à la Renaissance qu'il y avait trois cités-états scientifiques dans le jeu, sachant que j'en ai découvert que quatre, et même possibilité qu'il y en ait d'autres. Alors on est en âge héroïque à l'âge industriel. C'est pas la première fois que ça m'arrive, je crois que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Bon, vu qu'on n'est pas du tout en guerre et qu'on n'a pas du tout l'intention d'être en guerre, on prend les trois autres. Et ça sera très bien comme ça. Un ingénieur. Alors, je crois qu'il y a toujours la résolution du conseil qui double les marchands illustres. Donc, faut que je continue quand même un peu dans les banques. Si je veux, je peux produire du militaire, mais c'est pas trop mon intention. Et je me suis fait attaquer religieusement. Oui, ça c'est à la Renaissance, la Phénicie de Didon m'a attaqué religieusement. On a fait une contre-attaque, on a repris Zanzibar et Kingston, mais par contre, tout l'Empire canadien est actuellement contrôlé. Voilà, on a une grande zone sans eau douce. Après, il y a moyen de poser une ville avec Aqueduc ici. Genre ici. Si on a les gold, peut-être que ça serait pas une mauvaise idée d'acheter un petit colon rapidement. Allez, pas un mauvais investissement, hein, un colon, même si c'est 640 gold. Soit ça, soit je vais d'ailleurs ici sur le port. Ce qui n'est pas incompatible, hein, j'ai toujours la possibilité de me mettre ici. Je pense que je vais aller là. Hein. Ça me paraît pas mal comme option. Et en plus, c'est conseillé. Ok. Je suis en âge héroïque. Donc à partir de maintenant, de toute façon, les âges d'or devraient être assez faciles à obtenir. On n'a pas de changement, il y a les usines à faire. On aurait envie de faire des merveilles parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire dans certaines de nos villes. Je peux lancer l'usine, hein, mais... et d'ailleurs ici, l'université 2 tours et l'université est pas mal, mais on aimerait rebasculer très vite sur le Mont-Saint-Michel. Hein. Et limite l'université on l'achètera alors que le... Parce que je vais basculer Mont-Saint-Michel. Hein. Je peux changer rapidement. Pas vraiment, et j'ai envie de rester en théologie tant que je suis sous le coup d'une attaque religieuse. Puisque ça me permet d'avoir la carte d'ordre religieux. Et d'avoir la puissance de combat théologique. Donc j'ai un petit plus 10 qui est pas négligeable. Par contre, il faut que j'envoie très vite un espion. Je crois que j'en ai produit un deuxième. 4 tours. Alors lui, il est en contre-espionnage à Wroclaw. Il a réussi à choper personne. C'est dommage. Parce qu'à Wroclaw, je me suis fait piller des golds. De suzeraineté. Je pense que j'ai pas les émissaires.
13 sur 15. Et finissons ce barrage, ça évitera des catastrophes sur les plateformes commerciales et compagnie. Lui, c'est juste un traducteur, et ça permettra de reconquérir peut-être plus vite quand même Montréal. Un bâtisseur ici, avec une seule charge. Et on a envoyé Liang au sud. Deux charges ici. Pas aidé. Si on veut faire cette ferme. Une très forte. Il va falloir relancer des bâtisseurs. Deux canons de campagne. Ça serait faisable. Deux forts. Ça pour se déplacer vite, ça serait pas mal pour explorer. Caravelle. J'ai cliqué démocratie, hein, c'est ça. Beaucoup de choses à faire hein, quand même. Donc au final, j'ai quand même fait les mines ici. Mes prochaines explosions, elles peuvent toutes disparaître. J'ai fait les mines parce que j'ai fait quasiment toutes mes scieries, donc je pouvais me permettre. D'ailleurs, je vais aller faire la dernière mine ici. On a même encore un bâtisseur qui peut aller là. Ok. Alors là, il faut que j'aille contre-attaquer. Peu importe où je me mets, hein, on va se mettre à Byblos. Il me faut quand même le plus 3. Ouais, ok. Pas le meilleur des ingénieurs. Hein. Après, on est loin devant hein, au niveau des ingénieurs, ça c'est pas mal. Atelier. Ouais, il nous faut James Watt. Hein. Si on veut une victoire scientifique, et j'aimerais bien faire une victoire scientifique, il nous faut James Watt. Alors. C'est un prosélyte. C'est un prosélyte. Est-ce qu'on a des. 6. 9. Ce prosélyte, on a envie de le faire attaquer Ottawa. Mais, priorité, on préférait surtout faire la guerre. Alors, est-ce que c'est le. Non, le débatteur est en pleine régène. C'est pas le débatteur. On est à combien? On est à 120 contre 122. C'est pas mal. On a 6 charges. Et ici, ici on est aussi en régène. J'ai pas envie de l'attaquer, j'ai pas assez d'avantages, et si j'attends un peu, je pourrais être en situation plus favorable. Du coup, je pense que je vais plutôt reculer sur Gdansk, histoire d'améliorer mon niveau de soutien. Comme ça, en triangle, je sais que j'ai toujours plus 4 de soutien sur toutes mes... Et lui, par contre, c'est trop avancé. Alors peut-être que je vais le mettre, lui, ici... Lui ici, ça me fait un peu plus de ça me fait au moins un soutien pour celui-là au cas où. Et si jamais il attaque, j'ai 3 unités derrière qui l'engagent. Ok,
Et on surveille l'apparition d'apôtres. Alors il me reste plus qu'une charge. Et je pense que je vais accompagner le colon. On va laisser. En fait, la Phénicie, j'aurais pas dû, peut-être. C'est pas chez moi. Rien ne nous prouve que lui. Je suis pas mécontent que ce ne soit pas chez moi, honnêtement. Ah mince, au final, on n'a pas fait la Syrie ici. Alors, il m'a pas attaqué. Il m'a pas attaqué. J'en vois plus qu'un. Je vais quand même passer le filtre, histoire de mieux les voir. Donc, il y a les trois miens, il y en a un là, et il y en a un qui a disparu. J'ai pas fait gaffe où est-ce qu'il était parti. Je peux juste venir au contact. Hein. Je pourrais pas l'attaquer. Mais je vais quand même aller le tacler. M'empêcher de bouger plus. On va avancer une case par une case. Bon, ok. Et lui en soutien. On répare un petit peu les dégâts. Alors la Liang est arrivée. Il faudra que... Dommage, j'ai que deux charges avec ce... Avec ce bâtisseur et... Alors le débatteur a fini. Il n'y a pas d'autre apôtre au sud. Hein. Donc le débatteur repart en combat au nord. On aurait aimé avoir la balistique hein, quand même pour faire les deux canons, mais... Parce que Kazureka, je vais pouvoir faire. Celui de terre brûlée, je peux le faire, hein. J'ai déjà deux archers. Population de niveau 15, je pense que ça peut se faire tout seul. Musée archéologique, il faudrait que je fasse le forcing sur la merveille, mais c'est en passe d'être fait. Régiment, je suis pas sûr que je puisse le faire. Donc ce que je peux faire, faut que j'essaye hein, quand même. Terre brûlée, je pense que je peux le faire. Après, ça me retarde dans mes changements de cartes. Je suis sur Machiavélisme. Ces cartes me conviennent plutôt. Ah, quoique, vétéran, c'est totalement inutile. Vétéran, c'est totalement inutile. On ferait pas quelques achats en foi. Peut-être pas tout de suite parce qu'on finit le Mont-Saint-Michel et que ça donne une habilité gratuite. Martyr, ce qui évitera de tomber dessus. Oh, il y a des merveilles en 6 tours. Putain. Oration hein, pour changer les cartes, hein, parce que. On a envie de faire des merveilles là. Les quartiers vont partir vers où? Où est-ce que de base j'ai une zone indus plus 2? J'en ai pas. J'en ai pas. Ah, il y a du campus plus 3 ici en natif. Moi je dis, on prend ça, hein. On en a tellement peu. Je vais passer à 230. Je gagne énormément de...
Alors, il est en train d'avoir la même idée que moi, apparemment. Hein. Il est en train de ramener un colon. Du coup, c'est ce bâtisseur-là hein, qui va descendre, aider à faire le parc urbain. Voir, je vais peut-être faire même le parc urbain en premier. Ouais, je sais pas. Ah, il est attaqué. Aïe, 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 les tornades, on peut rien y faire. L'esprit et le corps, Dieu et l'homme, tous se mêlent au Mont Saint-Michel. Bon, il faut que je fasse un peu de culture, je suis trop à, sa manière, à la ramasse en culture. Protéger les uns les autres. Probablement ma merveille préférée au niveau de la finesse des détails. Le Colisée au fond. Vous et moi, nous prenons la route. Ok, on a dû avoir une ville de niveau 15, j'imagine. Radom. Alors du coup, on a deux places de théâtre à faire, mais j'ai pas la pop pour faire les places de théâtre. Aïe, 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 aïe. L'erreur du joueur français. Qu'est-ce que j'ai fait en trop? Je ne sais pas. Donc c'est pas grave parce que on est très paqué en ville. Donc on sait pas trop quoi faire dans certaines de ces villes. Alors, il y aura peut-être un port un jour, mais ici je peux très bien faire la place de théâtre. En plus c'est sa case. On va le faire. Deux forts, je pense que je ferai jamais cette Eureka. J'ai besoin des canons. Deux caravels, je le ferai jamais. Donc on va laisser. On va le hard tech. Préparer l'atelier Lac-Duc. Pas trop d'apôtres qui arrivent à part s'il prend la route du nord. Pas trop regarder les quêtes de cité-état, hein. Faut pas que j'oublie qu'il faut. Ah, apparemment j'en ai fait deux sans m'en rendre compte. Eureka pour histoire naturelle, donc il me faut un musée. Et convertir à votre religion Babylone. Babylone, je l'avais déjà fait. C'est la deuxième fois qu'elle me demande cette quête. C'est la deuxième fois. Et du coup, il faut que j'envoie. Alors, est-ce qu'il a beaucoup de. 5-1, ça va. Donc un orateur serait bien. Un traducteur serait bien. Ah, même les apôtres existants obtiennent martyr. Ok. Traducteur, c'est exactement ça qu'il faut que j'envoie là-bas. Je vais le faire régène. Alors, sauf que je suis en bonne position quand même pour le pour faire un soutien et le tuer. C'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. 124-120. Je pense que le débatteur est encore trop loin. On a trois charges ici quand même. On peut aller faire des choses hein, avec trois charges. Là il y a une scierie. Ah, il est en train de prendre des positions en plus. Ok, je vais enlever le filtre. L'archer va juste régène. Ok, donc j'ai dit le débatteur était trop loin. Bon, ben nature, hein. C'est moi ou il a pas perdu de. Qu'est-ce qu'il a comme religion? C'est judaïsme. Ou protestantisme. J'ai pas eu l'impression qu'il perdait de la foi. Faut que j'aille régène près du temple.
Il nous reste une petite charge. Donc, je pense que ici c'est triangle de ferme. Votre vendeur d'indulgence martyr. Bien sûr, écoute, mince, si j'avais su. Bon. En effet, j'ai fini deux quêtes de cité-état sans m'en rendre compte. Nous ne cesserons pas notre exploration. C'était pas pour changer de gouvernement. Hein. Alors, par contre, je peux acheter des apôtres hein, pour continuer ma guerre. D'autant plus qu'en théologie, il me coûte moins cher. Martyr. Ah. On a un autre. J'ai pas assez de mouvement encore. Hein. Je peux quand même venir me mettre en soutien. Je peux pas. On va l'entourer, on va bien le tacler. On peut vraiment pas. 123 123. Si, le judaïsme est bien tombé. Ah, il a libéré la place, ça c'est cool. Mais qu'en moins 1. Il y a du. Alors il me propose cette place là. Pourquoi? C'est du moins 8. Ça s'éloigne de ça. Moi je préfère ce spot, hein, honnêtement. Urbain. On peut bouger la Liang. On peut bouger la Liang. Alors est-ce qu'on l'a déjà fait à Varsovie? Non. Il y a plein de places à Varsovie pour des parcs urbains. Donc on va tout de suite transférer à Varsovie. Ah. Et on va le remplacer. Et lui, on va l'envoyer où? Qui a besoin d'un gouverneur. L'Etnika va en avoir besoin pour sa croissance au début. Okay, un triangle de ferme. Débloquer un gouvernement, mais on va l'utiliser hein, même si on la production de quartiers c'est un peu trop tard, on a quasiment fait tous les quartiers. On préfère quand même garder notre avantage religieux, même si là apparemment le premier rang est gagné. Alors il faut que je garde ordre religieux, confédération marchande, j'ai perdu le plus 1 de production, j'aimerais faire des merveilles, héritage républicain, machiavélisme. Machiavélisme, c'est pas essentiel, hein, le machiavélisme, parce que je suis en train de faire des missions de très longue durée, et ça change pas grand chose, hein. Contre-espionnage ou visibilité diplomatique, que ça dure longtemps ou pas longtemps, de toute façon ça permet pas de pex, donc j'ai envie plutôt du Wieselbanken. Ça me permettra de développer mes villes débutantes.
Vétérance, j'en ai pas besoin, je suis pas en train de faire quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc si je me restreins au militaire, j'aimerais upgrade des unités bientôt. J'ai des golds et je vais avoir les canons de campagne. On va aller quand même travailler cette case qui est belle. Et alors, on est déjà à côté d'un temple, on peut se mettre en régène. Et pas d'apôtre qui passe apparemment ici, je surveille la voie du nord. Bon, ça me paraît pas mal tout ça. À 0,5, mais il peut pas bouger plus hein, en fait. Oh, il y a un autre apôtre qui vient d'Halifax. Ah, notre première place de théâtre plus 4. Donc Wroclaw a pas trouvé d'espion. Donc c'était vraiment du one shot à Wroclaw. Ce qui fait que je vais l'envoyer Pex ailleurs, hein, je pense. Oui, il est où? Et ici. C'est quoi qu'il a comme promote? Conversion de païen et chapelain. C'est vraiment nul. De païens et chapelains. Et ceux qui sont produits dans la même ville, le même tour, en général, ils ont la même promote. C'est un peu dommage. Alors, c'est toujours lui notre débatteur. Est-ce que... Non, il va pas arriver au contact. Par contre, on peut quand même aller tacler. Vu que c'est le débatteur, qu'est-ce qu'on va faire? Et eux, bah ils vont rentrer régène. Hein. Ah, lui, il a fini sa régène, hein, on va dire. Pas abusé non plus. Ah, il y a eu de la casse sur des routes. Ok. Faudrait qu'on découvre le pétrole quand même. Ou l'électricité. Trois corsaires, je les aurais pas. Pétrole, détruisez une unité avec un chevalier. J'ai un chevalier, mais j'ai rien à détruire. Une seule petite unité qui traîne. J'avais pas dit que j'envoyais un apôtre vers Babylone. C'était peut-être un de ceux-là. Hein. J'avais dit que normalement un traducteur suffisait. Orateur martyr. Je sais pas où il est parti mon traducteur. Je crois que je l'ai envoyé. Ah! Traducteur, c'est lui. Ok, je l'ai envoyé par là. Bon, bah, on enverra peut-être un prosélyte de l'autre côté, on verra au prochain tour. Ok, on répare. Je passe l'amphithéâtre aussi. On peut finir l'usine, mais il y a des merveilles à faire. On a mis la carte. On a envie de faire des merveilles. Hein. Canal de Panama. Oh, ça va tout casser, ça. Là, je le fais là, le parc urbain, il saute. La prévisualisation du canal de Panama est super mal faite. L'Alhambra. L'Alhambra, pourquoi pas? On va lancer l'Alhambra. Alors, agence de renseignement ou chapelle du grand maître? On a un peu de foi, hein, quand même. On a un peu de foi. Cas où ça pourrait nous aider.
Si jamais on nous attaque, ça éviterait de... Les espions, j'en ai déjà deux. Je suis en avance technologiquement. Je préfère Chapelle du Grand Maître. Dans ce cas-là. J'aurais peut-être besoin d'émissaires. On va lancer le Kiloa. Et là, on deny le settle. Merci, au revoir d'être venu. De rien. Alors, s'il y aura un port ici, ça sera probablement le premier bâtiment, même si c'est Q1 plus 2. Mais je vais quand même faire le monument. Pour... Oh non, le monument. Bon, après, 3 tours, ça va, quoi. J'ai dit qu'il me fallait des upgrades. Voilà, canon de campagne, j'ai bien la carte. Hein. Et hop. Alors, apparemment, oui, je sais, j'ai un négociant qui peut rien faire. Ah non, ça c'est l'espion. C'est l'espion, et ben, il va aller pexer. Il va aller pexer et ça va être à Ottawa, hein, je pense. À Ottawa, la liste des possibilités. Bah, désolé, apparemment, il y a un marché qui est cassé quelque part. Mm-hmm. Il me faut très vite un gouvernement, enfin il faut que je récupère des cartes supplémentaires. Allez, je vais le laisser, je vais vraiment jouer sympathique. Biblos. Ben, j'en ai toujours besoin, hein. Je suis toujours en guerre religieuse. Bon, ça faut le savoir, hein. La visibilité diplomatique qui est utilisée en combat, ça marche également en combat religieux. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Alors, c'est un débatteur. Mais je pense qu'on va se rapprocher pour tacler. Bon, est-ce que lui peut pas arriver à temps? Il n'y a que lui qui peut arriver à temps. Du coup, je me décale d'une case comme ça. Je ramène lui en soutien. Oh, je one-shot. 142-110. Il a dû changer de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe en Phénicie? On est en théocratie. Comment ça se fait? Il a perdu tous ses bonus. Est-ce que c'est le fait qu'il soit dans l'eau? Puissance ajustée en cas d'embarquement. Ok, c'est le fait qu'il soit dans l'eau qui lui enlève tous ses bonus. Alors, j'ai vraiment low roll, parce qu'il indiquait que c'était un one shot, donc 100, et j'ai fait 68. C'est vraiment pas bon. Bon, apparemment, on n'a toujours pas réparé le marché. Ici, il faut que je régène mes apôtres. Conversion de païen martyr. Ouais. Mais il y a des charges à utiliser, hein. On va finir le boulot à la main. Mais j'aurais bien aimé que ça passe... Ouais, j'ai plus de points là, je vais pas pouvoir le finir. Je ne vais pas pouvoir le finir. Conversion de païen martyr. Ok. Mmh. Ouais, j'ai eu la casse partout. Hein. Lui, il peut pas faire la place de théâtre. Il n'y a que Gnes Neiradom. Hein. Faut pas exagérer. Mmh.
Ouais, et en plus c'était une merveille qui était en mer, donc... Après il y a du Taj Mahal. Que j'aime bien, un Taj Mahal qui assure vraiment tous les âges d'or jusqu'à la fin de la partie. Et il y a Akduk Campus. Même si c'est un campus pourri, il me faut du campus. Du campus, j'ai fini le barrage, ça c'est bien. Ce qui fait que je peux faire de manière très safe le campus, même plus un ici, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est surtout sur les bâtiments que je joue, hein, c'est pas sur le. J'ai quoi comme carte? Parce que là, ça va changer prochain tour. Merveille, puissance, armée de métier. Je voudrais peut-être récupérer la vétérance. Donc pourquoi pas? Ce que j'aime dans les villes, c'est. Ça a sauté tout seul d'ailleurs. Modernisation forcée. Je voudrais peut-être donc récupérer la vétérance. Le reste reste pareil. Rationalisme va être de plus en plus intéressant. 266. Je me demande si c'est pas mieux que la Confédération. Là, je suis en 266-132. Je vais essayer. Il faudrait que je refasse des bâtisseurs. J'ai un problème de bâtisseurs. Alors, ce que je vais faire, je vais pas les mettre tout de suite. Je vais finir mes actions si j'ai des actions d'attaque religieuse. Il a fui. J'ai pas d'action d'attaque religieuse. Je pense que je vais faire sauter la carte. Ok. J'en vois pas, hein. Et on fait sauter la carte. Militaire, vétérance pour la production. Et en économique, on va mettre du rationalisme. Ce qui fait qu'on garde Confédération marchande? Peut-être pas. 266-132, on a dit qu'on voulait faire du bâtisseur, vite fait. Sauf que bâtisseur, on est en train de faire des merveilles. Il faut pas que je mette 3 cartes de prod simultanées. 2 ça va, mais si je mets vétérance, travaux publics, gratte-ciel, grosso modo c'est que je veux faire 3 productions différentes, c'est pas bon. C'est pas bon, et si je mets travaux publics, je peux mettre en pause les merveilles, et je peux ne pas me mettre en vétérance. Oui, modernisation a sauté. Que j'aurais pas prod les corsaires au cas où pour éviter une attaque et j'aurais peut-être prod les corsaires hein. Je vais faire ça je pense. J'espère que j'ai la carte. Oui, c'est presse. Au final je vais faire ça. Bâtisseur corsaire. 266-132 en sciences culture. On passe à 291-132. Attends, ça veut dire que la carte marchait pas. Ah merde, j'ai gardé Confédération commerciale. Bon, mais c'est quand même, je vois le 266, ça m'a fait gagner 25 quand même en science, ce qui est plus intéressant que le 5 de science et 5 de culture. 6 quand j'ai toutes mes rentes. Ok, phase bâtisseur corsaire. Multifile. Unité. Bâtisseur. Bâtisseur. Gnezne, bâtisseur. Radom. Radom corsaire. Chapelle du Grand Maître m'aurait permis. Ah bah non, c'est que les unités terrestres. Kilwa. Je suis à Gdansk. Gdansk, c'est bâtisseur. Cézine, c'est corsaire. Lodz. Lodz, c'est bâtisseur. Oh, il y en avait un qui était prêt à sortir.
Varsovie, c'est corsaire. Hein. Legnica, c'est bâtisseur. Et Lublin. Lublin, c'est corsaire. Hein. C'est corsaire, parce que j'aimerais bien avoir de la visibilité de l'autre côté. Elle a une prod correcte, hein. Pour une ville que je viens de fonder il y a 3 tours. Qui est d'ailleurs limité en population, on va lui acheter son grenier. Hein. D'ailleurs, elle a le même souci, mais je crois que je lui ai déjà acheté son grenier. Ok. Alors, je vais peut-être pas changer tout de suite, donc je vais pas cliquer terre brûlée. On va faire un peu d'histoire naturelle, je pense. Il y a besoin de faire à peu près 2 tours hein, en bâtisseur. Marchand. 2 émissaires, on prend évidemment. Savant Charles Darwin. On prend. Apôtre, une charge, débatteur, on va évidemment pas l'utiliser. Je peux pas régénérer sur son territoire, du coup, on rentre à la maison. Hein. Je sais qu'il reste un apôtre ici, hein, mais je vais pas m'amuser à courir après. Version païen, martyr, bon, pas spécialement offensif, mais... Ah, elle a pas de merveilles, elle, c'est pas elle qui a fait des merveilles. C'est pas elle qui avait lancé une pyramide ou je sais pas quoi. C'est sur quoi? C'est sur Halifax? Non, c'est sur Québec. Et Québec est toujours à moi. Le traducteur, ça va être une reconversion directe. Hein. Tire conversion de païen. Par là. Apparemment, j'ai toujours pas réparé ce qu'il y a à réparer. Et 2 charges. On va aller vers Varsovie. Charles Darwin. Caisse de merveilles naturelles. Aïe aïe aïe. Le problème, c'est des merveilles naturelles. Ah. On sait où elle est. Merde, j'ai pas de libre passage. Ok, bon, on va se rapprocher par là, je pense. C'est pour des émissaires. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Hein. Voilà. Il y a une salle d'apôtres qui arrive. J'ai toujours pas envoyé de... Je pense qu'il va falloir que je rachète des apôtres. C'est pénible, hein, je peux pas savoir quelle promote j'ai obtenue. Je vais en acheter un aussi à Cracovie. On va essayer de pexer niveau 2 hein, quand même, au moins un de nos espions. Alors ça, je vais faire le requin, c'est pas la peine que je le finisse. Bon après, 1, 2, 3, je sors quand même 3... Ouais, non, 2 tours, ça serait mieux. J'hésitais en fait à changer tout de suite la doctrine de travaux publics. Mais j'ai besoin de plus que 3 bâtisseurs. Il faut que je reconvertisse Ottawa.
Assez de points de mouvement. 4 charges. On n'a toujours pas réparé. Ok, ça sort du bâtisseur. Alors ça, c'est la tornade hein, qui a tout cassé. Ah, débatteur, yes. Yes, j'ai vu qu'il y avait une vague qui arrivait au nord. Alors là, on est content, quand on a un débatteur. Je les ai pas fait dans la même ville. Putain! Bon, allez, pèlerin, vu qu'il est juste à côté du... en mode bâtisseur corsaire hein, tant que c'est actif, mais je vais enlever la carte pour le prochain tour. Prochain tour, on fait terre brûlée. On va avoir 2-3 bâtisseurs qui vont sortir en plus, ça devrait suffire. On devrait être sur 5-6 bâtisseurs. Alors prochain tour, on a le parc urbain. Donc, parc urbain toundra, ça serait pas mal, mais ça peut être des quartiers ici, hein, au bord de l'eau. Au sud, il peut y avoir un quartier, une adjacence ici. Et ici, ça aurait été le triangle de ferme. Bon, je pourrais pas faire non plus 12 000 quartiers. Allez, on va aller le faire ici. Deux charges. On fait des fermes ici dans la plaine un peu. Un triangle de ferme. On va aller aider la ville nouvelle, je pense. On a quasiment tout aménagé hein, ici. Une colombe embête en plus. Alors il est revenu ici en bord de mer. Est-ce que je peux amener un soutien? Non. Pas de soutien, c'est le seul qui peut attaquer. Il a même pas assez de déplacement. Avec ses 4 points. C'est étrange, hein. Parce qu'il n'y a pas de falaise, hein, ici. 2,75. Je comprends pas, hein. Ah, c'est 3 points, l'embarquement. Enfin, l'attaque de bord de mer. Du coup, c'est le traducteur. Ah, mais il a déjà agi. Lui, c'est un prosélyte. Alors, c'est lui que j'aurais bien envoyé à Babylone. Donc, je vais cliquer là, parce que sinon, je vais jamais le faire. Ça, c'est un orateur qui va se préparer à tenir la ligne côtière vers Zanzibar. Ça c'est les bâtisseurs, la nouvelle vague de bâtisseurs qu'on est en train de sortir. On va aider les villes côtières qui sont en train de faire des corsaires. Pour l'instant il n'est pas passé au nord. Mais je pense que je vais continuer à rester autour de Zanzibar. Je l'ai vu partir au nord lui. Aucune innovation de ces deux de la guerre, c'est l'enfer. Je l'ai vu partir au nord. Alors. Non. Je vais regarder les productions. Les unités, pour voir combien j'avais produit de corsaires. J'en ai au moins 2. Au moins 2. Je suis sur 2 corsaires, donc j'ai pas le Reka. Mais prochain tour, il va se finir tout seul quand même. Donc, je pense que je peux enlever les 2 cartes. Presse, travaux publics. Économie, on repasse en gratte-ciel pour les merveilles. Militaire, vétérance pour produire les bâtiments des ports.
Pas mal ça. Difficile d'avoir mieux. J'ai pas besoin d'ordre religieux. Pour l'instant, je tiens la ligne sans ordre religieux. Alors, faut que j'annule tous les corsaires sauf un. J'annule les bâtisseurs. Ils sont pas finis. Et voilà. Ça, ça va se faire tout seul. Ça, je vais pas avoir l'Eureka. Posséder trois mousquetaires. J'aurai pas l'Eureka, j'ai à peine un pauvre guerrier. En technologie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Peut-être envie quand même d'avoir le pétrole. Hein. Pétrole, radio. Alors, on va déjà partir sur pétrole. Mobilisation. Là, je doute que... que je puisse faire trois régiments. Hein. On va en faire un déjà avec ça. C'est que des régiments. Hein. Je peux pas tricher avec des... avec des flottes. Hein. Ah, il y a deux archers quand même que je peux rassembler. Bon. Ah, et deux éclaireurs. Éclaireur. Il est où le deuxième? Je le vois pas. Le deuxième éclaireur. Il est là. Ok. Bah si, on va avoir nos trois régiments. Éclaireur, arbalétrier et canon de campagne. Donc j'aurai le récap de mobilisation, ça c'est cool parce que ça vaut cher. On a remis les merveilles, donc on va repasser en Alhambra. Kilwa. Ici, il a libéré la place, il fait une petite ferme. J'ai pas assez de points de déplacement, je peux pas bouger plus. On a apparemment toujours pas réparé le marché. Je croyais avoir désactivé tous les corsaires. Lui a pas fait son phare. Hein. C'est quand même prioritaire. Egnica. Fais ta Alodra avant ton aqueduc. Je vais même désactiver les aqueducs tellement. Les Alodras sont pas faites. Non mais en fait je vais les acheter hein, les Alodras. Même monument hein, je peux acheter hein. Alors, c'est en train de s'approcher. Je vais me mettre ici. Je vais pas me mettre en flotte. Alors, il est où le débatteur? Ça, c'est un truc qui manque pour les unités religieuses, c'est de pouvoir les distinguer d'une manière ou d'une autre. Ça me fatigue de chercher mes débatteurs. Débatteur. J'en ai un ici. Il va tout de suite aller tacler le point d'arrivée à Cézine. Ok, bâtisseur. Bon, Vroclos. On sait pas trop quoi faire. Il n'y a pas de triomphe. Ah, il y a un triomphe de ferme ici. Allez, on peut faire ça.
L'apôtre, il est où celui-là? Deux charges. Traducteur. Allez, boum. Ça n'a pas suffi, hein. Ça n'a pas suffi. Là, ça suffit. Je pense qu'il m'avait ramené un prosélyte, hein, par là. Le saligo. Bon, il s'est enfui. Dommage. J'ai pas le choix, hein. Le débatteur est obligé de venir ici. J'ai deux apôtres Ulvi en train d'arriver. Water Martyr. On va se mettre en position autour de Zanzibar. Hein. Sur 10, tout va bien. Allez, on va finir la duc. Un pèlerin passe à 7 charges. Je sais pas trop. Il n'y a rien à faire au nord, donc je vais l'envoyer au sud. Ok. Ok, on a fait le parc urbain de Liang. On voit Lublin, hein. Quelle que soit la beauté de la stratégie. Le retour. Ah purée, un débatteur. Bon. Comment on fait? J'ai envoyé mon débatteur à l'opposé. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... Il n'y a pas assez de mouvement pour aller le taper, hein. De toute façon, j'arriverai pas à gérer le débatteur sans débatteur moi-même. Il me manque le plus 5 d'ordre religieux. Je peux rajouter quand même du soutien. Je peux rajouter un soutien, voire deux soutiens. Qui est intéressant parce que les soutiens en mer comptent quand même, hein, si je me rappelle bien. Voilà. Bon, je suis quand même à 119-110, ce qui lui fait assez mal. Hein. J'ai quand même plus perdu que lui. Je le roll beaucoup en ce moment. Le 100 où je fais 68. Ce qu'il y a, c'est que je tacle pas, hein, en mer. Je vais me mettre quand même ici à Cézanne. C'est Skézine. Je peux acheter un musée archéologique pour changer rapidement ma carte et remettre l'ordre religieux.
Un hussard ailé à finir. Je préfère faire des merveilles. Hein. Sophie, pourquoi pas, hein. Taj Mahal, moi ça me va aussi. On fait full merveille. Je vais rester en mer parce que j'ai quand même 8 de mouvement, ce qui me permettra de faire des trucs assez insane si jamais il débarque au nord ou ailleurs. On va réparer la mine. Elle est ici, la plateforme Taj Mahal. Halodra. On va quand même réparer la Halodra. Pour le fameux négociant. Ça, c'est pour l'Eureka de mobilisation. Un régiment d'éclaireurs. Voilà où on en est. Ah, ça suffit pas. On fait encore un tour. Triangle de ferme pour la croissance de la capitale. Alors, elle va peut-être pouvoir libérer les cases hein, du nord. Adam n'a pas reçu beaucoup d'amour en termes de... En termes de cases. Et d'aménagement. Ou du moins, il y a quelque chose qui a dû passer, parce que ça, c'était aménagé. Hein. Ok, on a dû construire quelque chose, sans même avoir réparé un truc bien. Alors, Lublin, hein. Il n'y a pas de route à Lublin. On va aider les villes nouvelles quand même. Même si ce sont des routes moins intéressantes, je préfère faire décoller rapidement les villes nouvelles. Alors, j'ai dit qu'il y avait un petit triangle de ferme à faire ici. C'est plus pour Vroclo que pour Lodz. Hein. Ok. Bon, on s'enfuit. On s'enfuit et on va se mettre vers le débatteur. Il est attaqué quand même. Il est attaqué, par contre, c'est une mauvaise idée parce que j'ai un débatteur qui est pas loin. Cru millénial. J'ai pas de barrage sur cette rivière. Si j'avais été présent lors de la création. Eh bien, j'en fais de l'Eureka. Ah, j'ai pas fini l'électricité, il manque un. Oui, c'est bon. C'est où tu as dit qu'il y a eu de la casse là? Ah non, c'est pas celle-là, c'est ici qu'il y a le barrage. Ok. Elle a besoin d'un peu d'amour, hein, Radom. Une ville très populeuse, et à qui j'ai pas du tout donné de bâtisseur. Je sais où je vais les envoyer. Hein. Les prochains. Alors j'ai dit qu'il me fallait absolument puissance religieuse. On fait sauter je pense la confédération commerciale, hein. Ça c'est 10 points alors que rationalisme c'est 30, enfin 25. Et j'ai je sais pas combien de merveilles en cours donc hors de question de faire sauter les autres. Je manque de cartes, je manque terriblement de cartes. Alors j'ai ramené, c'est lui, hein, le débatteur.
normalement, je j'échange. 144-104, c'est du one shot ça. Hein. Ah bon. Ça fait du bien. Hein. Ah oui, tiens, ça c'est quelque chose. Attends. On prend pas la position quand c'est en mer? Et ouf. On a du catholique. 8 de mouvement. Il me dit qu'en un tour je peux être là. Je parie que je vais pas arriver là. Voilà. C'est énervant. Hein. Allez, faut aller régène. On s'est retrouvé midlife. Y a-t-il Legnica et Varsovie? Lodz, Legnica et Varsovie, il faut qu'elles aient leur route. Varsovie l'a pas, hein. Ah, c'est bien ça. Exploration auto. Alors, trois apôtres hein, quand même. Ah, il a ramené celui qui était affaibli. Et je peux l'achever. Mais j'aurais préféré que ce soit un plus fort qui y aille, mais... Je pourrais pas. Et lui? Lui il peut aussi. Les deux peuvent. Lui il a qu'une charge, lui il a deux charges. Je préfère exposer celui qui n'a qu'une charge. Parce que je sais que je l'utiliserai pas pour faire une conversion vu qu'il a qu'une charge. Et je l'ai pas fini, ça c'est pas cool. Bon, il a deux soutiens quand même, donc j'espère que ça tiendra. Ouh, 792 gold. Faut que je dépense mes gold. Mince. C'était celui de Gdansk et j'ai dit que à Varsovie il n'y avait pas de route. Ok. Qu'est-ce qu'il avait à faire lui? Il va aller aider vers Lublin. Je sais pas si je fais des fermes partout ici. Il faudra bien que je fasse des quartiers. Hein. Ah non, c'est l'éclaireur, je suis débile. Je me disais, le bâtisseur, la charge marche pas. Alors, lui... On remonte. On peut utiliser une petite charge. Ça me fait mon Eureka de mobilisation. Mais du coup, je peux aller dessus, hein. On reprend la mer. Non, il avait pas de merveille en cours, lui. Par contre, il y a du négociant à faire. On va le faire. On a des golds, hein. On a des golds. Il faut utiliser des golds dans des villes qui sont vraiment à la bourre sur leurs bâtiments. Des bâtiments importants en plus. Typiquement, là, le grenier, j'achète. À l'Audra, j'achète. Allez. Beaucoup de bâtiments. On n'a pas d'électricité. On commence, je sais plus quelle touche c'est. Électricité, c'est... Dix. Dansk, c'est la première ville. C'est la première ville. Ce qu'il y a, c'est que
L'électricité, là, y aurait un barrage hydroélectrique. Ça s'achète. Ça fournit pas l'électricité à côté. Dommage. Dommage, dommage. Bon, on a dépensé des golds en tout cas. Il y a des problèmes d'habitation à résoudre ici. Acheter réseau d'égout. Je dis que les villes costales ont besoin d'un peu d'amour. Hein. Ah merde, j'ai fait apparaître tous les sites antiques. Musée. Ah oui, on peut pas les acheter les. J'ai pas les archéologues en fait. Sainte-Sophie. On va réparer quand même. Hein. Bon, ok, c'est bien, il est là, il s'est pas approché. Ah, il y en a un au nord. Mon débatteur ne peut. Ah oui, il a déjà fait un shot. Voilà. Ou lui. Tout en attente. Kilua est au nombre des villes les plus belles et les mieux construites. On récupère quelques émissaires. Elle est entièrement bâtie en bois. La toiture de ces maisons est entièrement en bâtie en et bois. Les pluies y On sont voit que des cailloux. abondantes. Je crois qu'il y a un petit problème entre le texte et la réalisation. Ok. Négociant de Gnezne. Bon. Quand même l'envoyer. Alors, est-ce que c'est la meilleure route? Je sais pas. Tawa. 35 gold hein, quand même. C'est plus mon allié. Pas sur de l'alliance scientifique, je pense. Hein. Si je passe sur une autre unité et que je reviens après dessus. On a Ottawa. Parfait. Donc maintenant, c'est l'autre qui m'embête au sud. Trois apôtres. Bon, on va envoyer le débatteur. Hein. On va passer par l'eau, je pense que ça ira plus vite. Quoique. Ouais, si. Par l'eau, j'aurais 8 points de mouvement. Hein. N'y avait pas un apôtre en route vers Babylone. Il est où? C'est lui? J'ai cliqué, hein. Et on n'a plus rien à réparer. On n'avait pas une merveille en cours. Spécialement. Par contre, on a du négociant à faire. Vu qu'on les one-shot, on va les faire ici. Si. On n'avait pas de merveille en cours. Place de théâtre. Place de théâtre plus 3. Pas mal ça. Gdansk. Centrale à pétrole.
falloir partir très vite sur sur l'informatique, hein. Même pas mal de villes costales. Un aqueduc. Ah merde, il y a un site antique à pop. Et j'ai plus les golds pour acheter ici. Bon, bah je vais stack la prod. Est-ce qu'il y a une autre ville? Non. En unité. Hop, bon, gros clos. Ça l'aide ce petit triangle de ferme. Ça la débloque. Oui, ok, j'ai compris. J'en suis aux unités. Tu peux dormir. Charles Darwin. Charles Darwin. Je l'avais envoyé par là. Il s'est arrêté en cours de route. Apôtre. Alors. Ça c'est mon monstre débatteur. J'ai envie de faire tous mes shots avec. Hein. Ça m'évite de perdre des points de vie. Je vais sortir de la zone de tacle. Approcher celui-là. Même je pourrais faire ça. Ok. Sous lui et on les laisse en triangle pour faire du soutien. Il est où le monstre? Il est là. Alors, je crois que j'en ai un autre qui arrive pour aider au sud. On va se mettre en losange. Et puis on va voir ce qui se passe. Ça part beaucoup au sud, hein. Est-ce que je débarque? Si je débarque pas, autant rester en haute mer, parce que si lui débarque et m'attaque, j'ai plus mes bonus. Donc je vais me mettre derrière lui en haute mer, j'aurai 8 points de mouvement, et ça me permettra de réagir. Je vais faire pareil pour les autres. Il m'indique que ça tacle, mais ça tacle pas, hein, c'est pas vrai. Québec est pas mal quand même, hein. 5 de gold de plus, mais je perds un de food, un de prod, je préfère le un de food, un de... Quoique, je crois qu'elle est quasiment au taquet, hein, déjà, cette ville. Je préfère un petit point de culture en plus, hein. Ici, on veut faire la zone Indus, mais on peut pas. On a bougé toutes les unités. Bon. On passe le tour. Il y a des unités qui n'ont pas bougé. Ça. Il va faire pareil au final, il va aller dans l'eau. Je passe le tour, je stack la prod en fait dans la ville qui va faire au sud, là, la zone Indus, quand j'aurai les golds pour m'acheter la case plus 4. 8 tours! 8 tours et j'ai pas mon âge d'or, hein, malgré toutes les merveilles que j'ai lancées.
Putain, mais ce qu'il y a, c'est que je passe ma vie à réparer partout. Hein. Je sais pas si la prochaine partie, je mettrai niveau de catastrophe naturelle 4. Ça a des avantages, comme ce volcan, mais... Je veux dire, combien de fois... Alors, j'ai pas trop refait les cases pour une fois, parce que je me suis tellement fait avoir, vu que j'y ai pas laissé la Liang. Mais peut-être que je vais aller mettre la Liang là-bas. Attends, c'est... les besoins sont pas couverts. Alors que j'ai fait une usine à pétrole, mais j'ai pas de pétrole. Ah. Un petit... J'avais pas lancé le Taj Mahal, c'est quoi ça? Taj Mahal, hein? La ville qui manque d'amour. Un indus plus 3. Barrage. Je veux dire... Même... bah non, le grenier, elle l'a déjà. Je veux dire, on va même lui acheter un grenier, mais... Magnus 4. Mais attends, mais il est où le Magnus? Je le vois même pas. Est-ce que je l'ai mis? Adam. Intégration verticale, la description est incompréhensible. Cette ville reçoit de la production pour chaque bâtiment de zone industrielle, recevant des bonus régionaux à proximité et pas seulement le premier. Qu'il a juste fait la conversion hein, sur Ottawa. Moi j'ai envie de la jouer plus offensif. Mon seul souci c'est que... Si, c'est bon. Par contre... Et ouais, voilà. Je peux pas avoir de soutien à cause de cette caserne. Je suis taclé... Okay. Lui, il a encore deux charges. Bon, de toute façon, hein, autant l'utiliser. Hein. Je peux me mettre quand même derrière. Pour l'assurer le coup et de... Aïe, aïe, aïe. Nesn. Non mais là c'est bon hein, les routes. Varsovie, Legnica, Lodz, Lublin. C'est bon. C'est bon, donc maintenant. Radom. Pardon. Vers Lublin. Pareil, lui part vers Lublin, hein. Ça sera probablement des quartiers par ici.
Radom. Ah, il a débarqué. Il a débarqué. On est toujours en ordre religieux, hein. Putain, 110 plus 3. Il me faudra aussi un espion chez lui, hein. 2 sur 2. Attends, mais il est parti où le débatteur? Je l'ai mis à l'eau pourtant. Il est si au nord que ça? Ouais. Super loin. Hein. Je veux pas passer par les terres. Putain, je vais être obligé d'avancer case par case parce que sinon il va faire de la merde. Ok. Du coup ici, on se met juste le... On va juste le tacler pour éviter qu'il bouge. Et ah bah, je peux plus bouger. Et rajouter du soutien. Après j'aurais préféré débarquer. Parce que dans l'eau, j'ai pas beaucoup de puissance militaire. On va quand même faire ça. C'est plus sage. Après, je peux quand... Ah non, je peux pas double shot, je peux que simple shot. Bon, je vais m'en passer. Je préfère qu'il reste full life et qu'il commette une erreur. Gratte-ciel. Encore de la merveille en cours. Hein. Je regarde vite fait. Une, deux. On n'est que deux hein, en cours. Et il me reste 8 tours. Il me manque 15 points quand même pour mon. 16 points pour mon prochain âge d'or. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Après, j'ai plein de réparations en cours partout, sans arrêt. J'ai pas fait assez de barrages. Faut que je finisse mes barrages. Je crois qu'il faut que je fasse des ingénieurs. Je crois que c'est les ingénieurs militaires à faire des barrages. Je dois supprimer des caractéristiques du type correspondant. Allez, tiens. Fils de bombe culturelle, mais c'est déjà le cas pour moi, c'est déjà un racial. Diplomatie. Ah. Intéressant. Intéressant. Je peux pas conteste. Puisque à 150, il est sûr d'avoir un point de plus que tout le monde. On est où en diplomatie? Est-ce qu'ils vont voter contre lui à 12? À 12, je suis pas sûr qu'il vote contre lui. Et c'est que 2 points. Du coup, est-ce que je donne pas plutôt mon allié? Donc 100, c'est 5. Et lui peut mettre 6. Ce qui fait que si je donne 2 points à mon allié, moi je vais en recevoir 1. Parce que j'ai gagné ce vote. Ça, je mets un point pour l'obtenir. C'est vraiment juste pour gagner le vote. Hein. J'ai dit empêche. Bon. Une Nobel, oui, je pense que j'en génère pas mal hein, quand même.
Je pense pas trop de points, hein. Allez. Faire 3-3-2, ça devrait suffire normalement. Sans dépenser trop de points. Wilfried Laurier. Et elle a claqué tous ses points. Ça, c'est cool. Edwige, je l'ai gagné. Personne n'a misé là-dessus. Là, je l'ai gagné. Personne n'avait misé là-dessus. Ok. J'ai dépensé 20 points en trop, mais ça, ou 40. L'ingénierie est l'art de dire lorsqu'il se prépare pour la guerre. Et ok. Ok. Est-ce qu'on finit à l'âge industriel là? Il reste quand même encore 7 tours, ça fait 1h30 que je suis en stream. Peut-être faire une petite pause. Hein. Alors il a fait l'erreur de rester, ça c'est cool. Du coup, ça c'est mon débatteur. Avec 8 points de mouvement. Donc je pense que je peux débarquer. Il a quand même l'avantage. C'est marrant. Hein. Quand on attaque depuis la mer vers la terre, il n'y a pas de souci. C'est quand c'est de la terre vers la mer qui perd tous ses bonus. Ah, je savais pas ça. C'est pas symétrique. De la terre vers la mer, celui qui est dans l'eau perd ses bonus, mais de la mer vers la terre, on perd pas les bonus. Du coup, il va prendre très cher. Hein. Boum. Ok. Bon, lui, il va aller se faire un petit régène pépère. Et eux, je pense qu'ils vont aller dans l'eau pour augmenter leur réactivité. On va faire un petit triangle de ferme ici pour aider Varsovie. J'avais dit que je faisais une pause. Aïe aïe aïe, encore de l'apôtre qui débarque d'ici. Alors comment se passe la guerre religieuse ici? Attention, il y a toujours le monstre. S'il pouvait l'utiliser pour ses charges, ça serait vraiment top. Ça c'est mon débatteur. Je pense que je le mets là. Lui, je le mets là. Lui, je le mets là. 3917. Boum. Faudrait peut-être que je couvre quand même mon débatteur pour assurer. J'ai pas envie de le perdre. Donc, on fait comme ça et on vient tacler le. Le super... le monstre. Et on se met en losange, comme ça. Et on ne touche surtout pas au monstre. Après, le monstre, il est dans l'eau, hein. Le monstre est dans l'eau. Hey, mais je peux pas le toucher. Par contre, si moi je me mets sur la case, j'ai vu maintenant que lui peut me défoncer. Ok. Ça, c'est bien qu'il y ait cette pénalité dans l'eau. Parce que les apôtres avaient cet avantage-là de pouvoir faire ses conversions dans l'eau. C'était vraiment un gros avantage. À une merveille, je vais peut-être le faire. Par contre, mine de charbon et cuirassé à vapeur. Mine de charbon, j'ai déjà fait. J'en ai fait une ici. Et cuirassé à vapeur, j'ai un Shinji. Un Yisun ici, pardon. Ça, ça me fait l'Eureka. Hein. Hop, l'Eureka acier. Boum. Démocratie, hein. Merveille, Sainte-Sophie. Promouvoir. Alors, intégration verticale, on va voir ce que ça donne. Ah, mais j'ai pas fini ma zone Indus. C'est terrible, ça, cette ville. La meilleure ville de prod.
Non! Il n'arrive pas à atteindre Ottawa et... C'est route interne le mieux? 4 de prod à Wrocław? Ouais, non, mais je peux pas faire ça. Ça vaut pas un 2-2, 17-3, quoi. Peut-être que je fais plutôt Montréal pour qu'il y ait un comptoir à, Mor à Montréal. Et comme ça, le prochain coup, le comptoir servira de rafraîchissement. Tant pis pour les 5 gold, ça me gêne pas ça. En fait, tout a été niqué ici, c'est pour ça qu'elle avait plus du tout de prod. Parce que ça, je l'avais travaillé, ça aussi, ça aussi. Allez, on va aider Radom, hein. Tout le monde a Radom. Lublin. Ah, on peut-être pu partir à Legnica. Alors, soit amphithéâtre un tour, soit merveille. Folie gratuite. Oh purée. Ça se fait à côté de quoi là? C'est quoi les prérequis? Saint-Basile? Adjacent au centre-ville. Il n'y a pas une ville qui veut. Là, je peux pas faire sur des cases à 13 quoi. 13 et 11, c'est pas possible. Là, je fais amphithéâtre. Ou une autre merveille. Un orsagaz. Non, je peux pas faire un orsagaz. Un ermitage. Non, je peux pas faire un ermitage. Bon, bah, amphithéâtre. Mais ça me rend triste. Ça me rend très triste. L'université est un peu chère, mais elle me rapporte 12 de science. J'ai beaucoup de choses à faire ici, j'ai pas de temps de choses. Ah, si, j'ai des quartiers. C'est une ville à 16 qui n'a que deux quartiers. Ouh là là. Case en 2, 3, 1, on n'a pas envie de la faire péter tout de suite. Hein. Comment dire? Une zone indus à faire. Est-ce que j'ai besoin de toute cette bouffe, ce 5 de bouffe? Je suis à 16 sur 19. La croissance est finie, hein, ici. J'ai plus besoin de production. Allez, on va mettre une zone industrielle en amont du barrage hydroélectrique. Enfin, l'université ici aussi, on a envie de la faire. Hein. Lodz 9 sur 12. Elle a une croissance très très rapide. Hein. Je crois que le barrage s'impose, barrage et aqueduc. Et derrière, il y aura une zone indus. Je fais ça en triangle ici. Hein. Et on va commencer par le barrage, en vrai. Sauf que l'aqueduc, il a qu'une seule case possible. Où c'est barrage ici. Il y aura la zone indus ici. Ok. Donc là, j'ai sélectionné barrage. Ou je peux faire dans l'autre sens. Je pense que ça revient. Il me faudrait des ingénieurs. Il me semble que ça aide pour les barrages beaucoup. Ah, il est sorti de son trou? Non, il est resté dans l'eau. Il est resté dans. Ah, mais non, mais je peux pas bouger, je suis toujours dans le même tour. Je suis toujours dans le même tour. Orateur martyr. Je suis toujours pas allé à Babylone. J'enverrai peut-être un seul. Il y en a deux ici. Ils ont de la chance que je sois pas en guerre, hein.
You have proved... Ok. Le Canada m'aime vraiment bien. Faut dire que là, bon, à part la Phénicie éventuellement, mais Pologne, Canada, Suède, c'est vraiment peace and love, hein, la sélection de... Ok, il est resté dans l'eau. Alors le problème, c'est que mon débatteur est low life. Mais je veux dire, 134 pour 110, on a envie de taper, hein. On a envie de taper. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire le tour? C'est un débatteur, lui c'est pas un débatteur. Le problème c'est que de toute façon je suis taclé et ça s'annule. Ah, je pouvais pas attaquer. Non, je peux pas attaquer. Ah bah lui non plus. Ouais, en fait, personne peut l'attaquer. Ok. Ça, c'en est un normal. Je prends le risque là que le débatteur s'excite. Hein. Bon, j'ai dit que j'allais faire une pause, 20h40. Je vais arrêter là. Il me reste 6 tours dans l'ère industrielle. Bon. Ça devrait bien se passer, hein. J'ai quand même 3 merveilles qui devraient se finir. Je pense que ça va passer. Puis j'ai de l'or, j'ai de la foi. Je pourrais faire ce qui va bien. Cliquer intégration verticale. Bon, c'était un bon début d'ère industrielle. Hein. L'ère héroïque, finalement, il y a des petites choses qui m'ont bien servi, notamment le plus 2 points de mouvement pour les apôtres dans l'eau. C'est bien pratique pour assurer ma ligne de défense ici, vu que je me fais attaquer un peu tout le long de la côte ici par les apôtres... phéniciens et également maintenant suédois. Donc ça a été pas mal. Bon. C'était bien, partie intéressante. Partie bas niveau. Hein. C'est... J'ai pas eu un super start, mais on va dire que les autres non plus. Ce qui fait que ça m'a aidé. Bon, bonne soirée à tous. Je pense pas que je reprenne dans la soirée, mais on sait jamais pour les quelques derniers tours qui restent. Bon appétit pour ceux qui vont manger. À la prochaine, ciao!